Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je voulais te faire cette petite vidéo. Tu sais, moi, quand j'ai créé ma conciergerie, donc à la Grande Motte, c'est moi qui gérais tout de A à Z. Le ménage, le linge. Je prenais des réservations à la dernière minute à 23h30. J'étais à quatre pattes par terre pour trouver la moindre petite poussière qui pouvait traîner quelque part. J'étais vraiment un grand malade. Alors, c'est marrant parce que du coup, les voyageurs me laissaient des commentaires, mais franchement, hallucinant sur la propreté. Je me souviens d'un commentaire, c'était un voyageur qui avait laissé ce commentaire en disant que c'était que l'appartement était d'une propreté exceptionnelle. Alors c'est marrant parce que j'arrive pas à faire ça chez moi, mais je le faisais dans les logements que je gérais du coup. Et je voulais te faire cette petite vidéo parce que tu vois, j'allais même jusqu'à faire une décoration sur le papier toilette. Donc je vais te montrer ça. Si tu veux faire plaisir à tes voyageurs, c'est original. Prends un rouleau de papier toilette tout simplement. Je vais décrocher la première feuille et je vais prendre une, deux, trois, quatre feuilles. Tout simplement. Je vais faire une petite pliure ici. Voilà. Et je vais tout simplement laisser un petit espace et l'enrouler autour de mon doigt. Voilà. On va faire quelques petits tours, tout simplement. Et ensuite, je vais aller récupérer le papier toilette et le faire rentrer à l'intérieur, derrière, dans le petit espace que j'ai créé. Ça me fait une petite rose sympathique. Voilà. Bon, vous allez dire, il est malade ce mec, hein. Mais du coup, j'imposais à mes prestataires, quand j'ai délégué ensuite la partie ménage, bon, parce qu'après 60 logements, c'est pas possible, hein. Je leur imposais de faire ma petite rose sur mes pétolettes. Voilà, c'est un petit truc, si ça peut te servir. N'hésite pas. Ciao!